Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Pâtisse. Ça fait un bon moment que je n'ai pas présenté de recette. Aujourd'hui, je décide de prendre quelques heures pour vous présenter ma recette de sauce d'agneau. Pour cette recette, je vais utiliser une épaule d'agneau, des pieds d'agneau bien fumés, un peu de tripe d'agneau, des aubergines violées, du persil, du sel, du poivre fait, du magique et facultatif, de l'ail, quelques oignons et échalotes, de la tomate fraîche, sans oublier du piment et juste un peu d'huile, 5 centilitres, disons. Je commence par faire revenir la viande d'agneau. Pendant que ma viande est en train de bien brunir, je vais découper mes tomates. Un piment aussi. Laissez la viande bien brunir du coup. Brunissez bien votre viande. Une fois la viande à bien brunir, je vais retirer l'huile qui contient. Une fois que je constate ma viande à bien brunir, je vais retirer l'huile de ceci. Et j'ajoute de l'eau. Ensuite, j'ajoute mes pâtes d'agneau et les tripes. Je vais couvrir et laisser bien bouillir. Je vais mixer tout ce que j'ai découpé comme légumes, oignons, tomates, piment, ail. Bien remuer, goûter et ajuster en sel. Je vais ajouter aussi le magie. Après l'ajout de la tomate mixée, remuer bien, goûter, si nécessaire, ajouter le sel. Là, je vais mettre le magie. Le persil,
J'ai fini par ajouter mes aubergines découpées avec mes échalotes. Je fais bien remuer. Je vais rajouter juste un peu d'eau. Voilà, je vais couvrir et laisser cuire tout doucement 5 minutes. Et voici le résultat. Si vous avez aimé ma recette, likez, partagez massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Au revoir.